Yo les gens, c'est BlackBird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode Ligue Championnat. Dans cette partie, je jouais tout seul. Je jouais à la MSMC chargeur rapide, poignée ergonomique, le B23R, la grenade frag. En série de points, j'avais le missile Hellstorm, le foudroiement et l'aéronef furtif. En atout, je possédais gilet pare-balles. Ah non, poids léger, pardon. Robustesse, dextérité et conditions extrêmes. Donc voilà. Et je jouais donc en, comme vous avez pu le voir, en HP, donc point stratégique sur la map Standoff. Voilà, voilà. Donc vous allez pouvoir voir qu'au début je me fais un peu violer, c'est normal. Donc voilà, vous pouvez voir mes atouts là au passage. En fait, on va se faire violer et on était que 3 déjà. Donc au début de la partie, on était que 3. Et il y avait un mec qui jouait pas, donc. Comment dire? Il y avait un mec qui jouait pas. Et il a été exclu, donc en gros on était 2 contre 2 contre 4. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Et je vous poste cette partie. Voilà. Bon, je vous le dis direct, je suis mort 30 fois, je crois. Donc vous m'aviez dit que même si je mourrais beaucoup de fois, je mettais quand même le gameplay. Donc je vous mets ce gameplay où il y a beaucoup de frags. On a perdu la partie, hein, je vous le dis directement. Hein, c'est carrément impossible de gagner une partie de ligue 2 contre 4, surtout en point stratégique. Mais voilà, vous pouvez voir que has been kicked, donc il a été comment dire, ouais, enfin éjecté de la partie si je puis dire. Donc vous allez pouvoir voir que je vais mourir pas mal de fois dans le gameplay, mais il va y avoir des comment dire, des moments où je vais bien enchaîner, genre je vais faire des triple feed tout ça. Donc c'est pour ça que je vous mets ce gameplay justement, parce que Serge fait pas mal de kills. Bon là au passage il a toujours pas pris ses balles le mec, mais bon c'est pas grave. Là je me suis dit je quitte, bon allez. Tant pis, on va finir la partie. Et voilà. Donc je voulais parler de mon annonce, comme je vous ai dit, que j'allais faire dans une prochaine vidéo. Donc je pense que je vais la faire aujourd'hui. Donc je voulais tout simplement vous dire que j'allais partir. Enfin c'est pas une LAN non plus, mais genre c'est il y a un salon du jeu vidéo dans ma ville. Et justement on peut faire. Là au passage depuis l'enchaînement des trois mecs, on peut enchaîner. Enfin, qu'est-ce que je dis? On peut faire une, genre c'est une comme une LAN si vous voulez, sauf que c'est de la mêlée générale. Donc voilà. Et j'y vais justement samedi 12 octobre si je me souviens. Attendez, on est le 10, 11, ouais le 12 octobre. Donc c'est le 12 et le 13 octobre. Donc voilà, c'est une LAN, mais genre mêlée générale. Donc en gros, voilà, faut terminer premier à chaque fois. la petite différence, et la différence qui me fait un peu peur, c'est que c'est sur Xbox. Et vu que je suis pas vraiment un adepte de la manette d'Xbox, je vais avoir un peu de mal à jouer au début. Mais en fait, si vous voulez, j'ai une manette d'Xbox pour jouer sur le PC. Et j'ai Black Ops 2 sur le PC, donc je m'entraîne quelquefois de. Bah jouer sur PC avec la manette Xbox, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que la manette de PS3. J'ai envie de dire c'est une habitude à prendre. Après voilà, je vais essayer de gagner les gens, donc encouragez-moi dans les commentaires. Je déconne. Enfin voilà, si vous voulez encouragez-moi, voilà. donc je vous dirai les résultats de cette LAN. Donc enfin c'est pas vraiment une LAN, c'est un salon du jeu vidéo où voilà il y a une petite compétition pour le plaisir quoi. Et voilà, j'appelle ça une LAN parce que c'est comme de la compétition, mais voilà, mêlée générale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, au passage, le mec, il a pas pris du tout. Donc, désolé si je meurs beaucoup de fois. Comme je l'ai dit, je crois je meurs 30 fois, je crois. C'est quand même beaucoup. Là, au passage, le mec, il a rien compris. Il s'est retourné. Il pensait pas que j'allais le tuer, en fait. C'est ça, le problème. Je vais pas mal avoir deux fois mes séries aussi dans cette partie. Je crois que je vais avoir 4 ou 5 fois mes Hellstorm et foudroiement. L'aéronef furtif, je vais l'avoir une ou deux fois, je crois. Enfin, je sais plus trop. Donc voilà, là j'obtiens mes séries. Et je disais donc, ouais, donc encouragez-moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et justement, comme je vous ai dit, je vous communiquerai les résultats. Donc, si j'ai quelle place, on va dire, que j'ai terminé, pardon, dans ce tournoi. Franchement, l'année dernière j'y étais allé, il n'y avait pas énormément de niveaux, je les avais regardés jouer, tout ça. C'était pas un niveau exceptionnel, j'ai envie de dire, c'était pas des Gotaga ou des. Je sais pas quoi. Ils avaient un niveau correct, on va dire, ils se débrouillaient, mais c'est. Je pense que je peux faire quelque chose à cette mini LAN, on va dire. Donc encore, j'ai moi dans les commentaires, hein, j'arrête pas de le dire.
Et voilà. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo aussi. Donc, dites-moi aussi, je voulais demander ça, c'était un genre de sondage, enfin une petite question que je voulais vous poser. Dites-moi dans les commentaires si la qualité de mes vidéos est bonne. Genre la qualité de l'image. Dites-moi si elle est bonne. Et dites-moi en quelle résolution vous regardez mes vidéos. Parce que si vous regardez en 360p ou en 480p, vous devez vous faire chier parce que la qualité est vraiment pas terrible des fois. Et j'ai trouvé une nouvelle technique, les gens, pour. Là au passage, le mec, je lui mets un brain, il a cru que j'allais passer de l'autre côté. Hop, je le tue. Enfin bref. Voilà, dites-moi dans les commentaires en quelle qualité vous regardez mes vidéos. Et dites-moi si la qualité de la vidéo, donc la qualité de l'image, vous plaît. Ça me permettrait de voir si elle vous plaît ou si j'essaie vraiment d'améliorer encore plus l'image. Parce que j'ai trouvé un tuto récemment où en fait au lieu d'encoder, enfin au lieu de rendre en tant que sur SonyGas, au lieu de rendre en .mp4, je rendais en .avi, donc les vidéos pour Windows. Et justement, ça fait que déjà la vidéo fait beaucoup de gigas, j'ai remarqué, donc ça c'est normal, hein. Mais justement, c'est là qu'un logiciel intervient qui convertit la vidéo AVI en MP4 avec le codec vidéo H264, donc c'est une compression MP4, et ça permet donc de. Je vais utiliser le mot chelou, ramollir la vidéo, enfin rapetissir la taille de la vidéo. Donc par exemple, hier j'ai fait un rendu de. Je sais pas, une vidéo, c'était une vidéo de combien de. 30 secondes, juste c'était en gros c'était juste pour faire un test de la qualité de l'image. Et j'ai elle faisait 10 gigas, donc une vidéo de 30 secondes 10 gigas, c'est quand même énorme. Et j'ai fait justement l'encodage en H264 MP4 et la vidéo ne faisait plus que 30 mots, donc vous pouvez voir là comment j'ai rapetissé la vidéo, c'est vraiment pas mal. Et la qualité reste magnifique. En fait, vous gardez la qualité du point AVI. Mais en MP4 avec une taille de fichier réduite. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires si la qualité de l'image est belle et dites-moi dans quelle résolution vous regardez mes vidéos. Ça me permettrait de voir votre avis, enfin voilà, tout simplement, de voir à peu près en quelle qualité vous voyez mes vidéos. Parce que personnellement, moi, quand je regarde mes vidéos en 360p, 480p, c'est pas énormément joli, j'ai envie de dire. Là au passage j'obtiens encore mes séries, bon je me fais tuer après mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez que je fais un 38-25 donc c'est pas trop mal quand même. En jouant à 2 contre 4 j'ai envie de dire c'est pas mal. Vous verrez à la fin aussi que j'ai fait un clip digne de ce nom j'ai envie de dire. Le mec il se la pète un peu trop. Non, franchement un très beau clip à mettre dans une frag movie je trouve parce qu'il était vraiment pas mal. Donc voilou, je vais rester un peu avec vous là, il reste pas longtemps. Je vais essayer de commenter la fin de gameplay. C'est pas, j'ai vraiment du mal à commenter des vidéos longues parce que voilà, il y a des vidéos en fait, j'ai beaucoup de trucs à dire et voilà, la vidéo passe crème on va dire. Et il y a des jours bah voilà, faut que soit je mets de la musique ou tout ça. Donc là, au passage, je relance un Storm, je refais une double. Et voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Donc je vais essayer de faire de la ligue ce week-end. Mais comme je vous ai dit, samedi déjà, je serai pas là. Et il y a dimanche aussi peut-être. Là au passage, voilà. Donc double feed, triple feed et quad feed. J'ai enchaîné les 4 mecs direct. J'étais super content. Bon après je me fais niquer par la machine de guerre, mais c'est pas très grave. Donc like la vidéo si t'as aimé ce clip de Gotaga. Non, je déconne. Non, likez la vidéo si vous avez aimé la vidéo tout simplement. Désolé si je meurs beaucoup de fois dans le gameplay, il y a des moments c'est pas très intéressant dans la vidéo, mais bon j'espère que vous avez apprécié mon commentary qui était je pense un peu mieux que d'habitude. J'ai quand même parlé de quelques petits trucs qui pouvaient peut-être vous intéresser, enfin je sais pas, je vous ai quand même posé pas mal de questions. Donc n'oubliez pas de répondre à mes questions que j'ai posées dans la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me permettrait de voir votre avis. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, ça récompense le travail et ça me fait plaisir. Donc je finis sur un 52-30, un 7525 de score, donc vous pouvez voir les scores des mecs en face, hein, je les ai carrément violés, mais bon, vu qu'on était que deux, j'ai pas pu prendre les points, donc voilà, c'est pas grave. Donc c'était Blackbird HD, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.